Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée Les Portes de la Rédemption. Nous étions en guerre, la France nous avait appelé en guerre contre la Lorraine et contre le Serge, hein, concrètement. Bon, ça se passe relativement bien, même en termes de troupes, hein. On gère quand même bien la chose, on gère quand même pas mal la chose, donc c'est assez appréciable. Alors, on m'a dit qu'il y avait des problèmes de souris. J'espère que vous la voyez ma souris. J'ai fait quelques petites modifications. Bon, au pire, je verrai. Mais je pense que c'est un problème de mon logiciel de capture parce que j'utilise GeForce Now. Donc, à voir. Du coup, je pensais à quelque chose d'assez intéressant. C'est peut-être de faire grossir justement nos vassaux. Bon, l'ordre teutonique, ça risque d'être un poil complexe, hein, bien évidemment. Un poil complexe, mais déjà Riga et Bouffé leur donner ça. L'ordre de Livonie donner un peu tout ça, ça, je pense que ça peut être très intéressant. Déjà leur donner Riga, je pense que ça leur fera relativement plaisir. Donc, mais on verra ça. Et les teutons, à voir, quoi. J'aurais bien aimé qu'ils aient un accès à la mer, mais bon, un peu bloqué à ce niveau-là. Bon, on verra bien, de toute façon. Donc du coup, continuons où nous en étions. On avait remporté le succès, hein, je reprécise, parce que j'en suis relativement fier. Voilà, la Sainte Trinité. Donc ça, c'est bon, c'est plié. Je regarde si on peut pas avoir un autre succès. World Conqueror, ouais, hein, on va se calmer. Blablabla. Café, pirate, on s'en fout. Non, on n'est pas là. Ah, pas mal ça. Faudrait insulter au moins 10 pays. Limitrophes des états pontificaux. Comment se faire des amis. Non, on s'en fout. On peut pas. Ouais, bon, de toute façon, on va continuer et puis on verra bien. On verra bien. Ce que ça va donner. Moi. Oh non, please. Please. Oh. La souris rebug. Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. J'étais de mauvaise foi. Morale terrestre des Anglois, tant mieux pour eux. Bon, là, on va rester là volontairement parce que j'ai pas envie de me faire assiéger par les Autrichiens. Et puis, mon but, quand même, c'est de choper, évidemment. On a perdu. Truc. On a perdu notre général. Ok, soit. Bon, le Tyrol, j'aimerais bien que ça tombe. J'aimerais bien choper l'Istrie. Par principe. Non, l'Istrie, pardon, excusez-moi, la Gorisse. Bon, là, ça coûte un poil cher. On pourrait devenir défenseur de la foi, ouais, c'est vrai que ça tomberait sous le sens, hein, mine de rien. Bon, là, ça peut tomber, je pense. Allez, ça tombe. Yes, siège du Tyrol, ma... Oui, très avec les mêmes looks, ouais. On va aller en Istrie, hein, concrètement. On fait un blocus. Tout en sachant que... Bon, c'est bien, là, on déglomme la flotte ennemie. Parfait. On va quand même aller se soigner un coup. On aura peut-être besoin. Avant de faire le siège. Occupé par Autriche. Ah oui, d'accord. Juste attendre la fin du mois pour avoir le petit tic. Voilà, parfait. Fort bien, on ressort. Milan s'est cassé de la guerre. Milan c'est Parme à Ferrare. Novara Gênes. Ouais, bah Milan a été bien calmé. Bon, et là on va réceptionner la flotte ennemie. Boum. Allez, cadeau. Montrer que. En plus, il y a la flotte de Venise qui est avec nous. Fort bien. Bon, ça c'est pour nous, hein, clairement. Bon, ça, si tu le prends pour toi, je veux bien. Bon, hein, concrètement. Alors, Mantoue s'est cassé. Bon, écoutez, là, hein, on va peut-être revenir à la maison. Sauf si on peut piller des choses encore. Mais bon, ce sont des montagnes. Je suis jamais trop fan de piller des montagnes. On va revenir à la maison, écoutez. Je pense qu'on en a assez fait. Une petite manufacture, ouais, peut-être pas. Des impôts, pourquoi pas.
Du gouvernement, on va voir. De la prod, ouais. Bah, une manufacture, 1,30 en Provence, ouais, pas mal. Allez, pour une manufacture. Voilà, on retourne tranquillement parce qu'on a pris cher niveau réserve militaire. Est-ce qu'en termes de limite terrestre, on peut en faire un de plus? On va en faire un de plus. On est à 25 en frontline, hein, c'est ça, d'après mes calculs savants et précis. Non, 24, mais on va passer 25. Donc, on va faire deux canons de plus, 1 et 2. Voilà, comme ça on aurait des canons, et puis les canons, c'est toujours bien. Bon, on va donner ça à la France. Ouf. Occupé par la... Ah ouais, tout le monde se jette dessus. Ouais, c'est la... Ouais, ok. C'est la foire, quoi. Non, on est trop en retard. On va... Je pense qu'au bout d'un moment, on va le prendre. Là, ça commence à arriver. Ouais. Est-ce que ici, c'est adopté? Sienne, ça a dû être adopté. Arenzo, ça va être. Romagne, non, pas encore. Urbino. Urbino, Italie centrale, on a fait un édit. Donc là, ça devrait apparaître prestement. Ouais, c'est bon. C'est très très bien. Bah écoutez, hein. On va retourner en cône. On va reprendre nos bateaux. Protéger le commerce. Ah. Venise vendue. Tu te replies au port, bien évidemment. Et là, les bateaux qu'on a gagnés, c'est quoi? 9,30. On commence à en avoir beaucoup quand même, hein, de... En termes de limite terrestre, on en a 3 de plus quand même. Ça fait quand... Ça commence à chiffrer. Mais bon, pas grave, on payera dans le pire des cas. Au pire, on peut prendre quelque chose qui nous augmente la limite navale, même si ça coûte cher à construire. Limite navale plus 2, ouais, écoutez, on va le faire. Et en plus, ça permet d'augmenter la... Ouais, construction navale, donc on va le faire ici. Voilà, ça, il n'y a plus de sujet. Bon, là, ça y est, on commence à... On commence à plus avoir d'argent. Maintenance des forteresses. Bon, alors, théâtre anatomique. En Italie centrale. Italie centrale, c'est ici. Oui, nanana. Bah, gagnons. On en a beaucoup en... Ouais, on en a un peu, mais... Ouais, voilà. Prenons un peu de révolte. Ça fait mal là quand même. Hein. Maintenance de l'armée. Maintenant, on protège plus le commerce. Bon, tu fais quoi honnêtement? On est en guerre contre la Pologne? Non, t'es en guerre contre l'Autriche. Ouais, bah, super. Ouais, ceci dit, si tu t'amuses à récupérer ça, ouais, vas-y. Amuse-toi. Je pense que t'as une revendication hors de Livonie dessus. Non, t'en as pas. Ouh, doux Jésus. Vite, fais-en une. Et prestement, si possible. On va dire qu'on veut... Alors, non. On va recommencer. Je dis que je veux ça. Ça, 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 et ça. Toi, tu veux quoi? Tu veux tout ça? Ouais, bah, de toute façon... Hein. Tu veux ça? Toi, Russie, tu veux quoi? Tu veux tout ça? Eh, bah. Du coup... Ouais, bah, si tu veux... Bah, si, t'as une revendication dessus, non? L'ordre de Livonie considère comme brigand. On a bien une... Riga. Ah oui, bah c'est bon alors. Rien dit, excusez-moi, je sais pas lire, ça arrive. Bah, par contre, hein. Toi tu veux ça? Ouais, bon, on va se fâcher avec les Russes, c'est tout. On va se fâcher avec les Russes, tant pis. Voilà. Ok, nous on dit bien qu'on veut tout ça. J'espère que la France daignera nous donner quelque chose. Ouf. Hongrie, c'est vraiment, t'es vraiment plus... Ah bah tiens, Hongrie. Florence a adopté l'institution. Hongrie doit verser 10% de son... On obtient 162, tant mieux pour nous. Bah, ils nous ont rien donné. Hein. Bon, après, ils pouvaient rien nous donner en soi. Donc l'Autriche est vraiment seule au monde, là. Là, on pourrait adopter l'institution. Est-ce qu'on est en... Ouais, on sera en phase de le faire, on pourrait le faire, allez, allons-y. De toute façon...
peu plus, un peu moins. Allez, on adopte. Voilà, comme ça, on peut prendre ça. Fort bien. On peut changer, donc c'était... On était plutôt dans le choc, moral offensif, donc ça sera des réformés. Très bien. On a perdu notre général, on va en remettre un nouveau. Sauf si on peut en taxer un ordre, peut-être. On pourrait accorder 20, il serait à 80. Ça fait peut-être un peu beaucoup, je préfère payer du coup. Voilà. Bon, tu termines ta guerre là, s'il te plaît. T'es plus en guerre, de toute façon. On a toujours notre revendication jusqu'en 22, donc ça devrait aller. Par contre, là, on commence vraiment à perdre de l'argent. Et ah, voilà. Ah, ils nous ont filé l'Istrie. Yes! Alors, la Lorraine cède les trois évêchés et la Lorraine à la France. Oui, bon, en gros, t'as bien grossi. L'Autriche cède Goris aux états pontificaux. L'Autriche cède la Suisse et les provinces limitrophes de Berne à la Lorraine. Hein, quoi? Ok, soit. Blablabla. On gagne 19 bullish. 17 points de faveur avec la France. Fort bien. Légitimons. Fort bien. Ça, c'est une excellente nouvelle. Nous avons chopé ça. Bon, par contre... Bah, voilà, niveau financier, c'est pas... Bah non, c'est le butin de guerre. Maintenant, ces états, comme on a pris l'instit, on va se calmer un peu, par contre, hein. Aucun édit. À Rome, on n'en avait pas mis. On n'en avait pas mis. Ici, on n'en avait pas mis. Ici, on n'en avait pas mis. Chypre, on n'en avait pas mis. Et ici, on n'en avait pas mis. Soit. Donc là, financièrement, ça devrait aller un peu mieux. Ouais, vite fait, quoi. Bon, retourne ici, toi. À Rome. On va peut-être mettre ça. Voilà. Bon, on a des des révoltes angoristes. Le rejet de l'ensemble... Il y a n'importe quoi, cette partie. Ah, mince, crève. Bon, il y aura de l'agitation, de toute façon. Territoire illégal, forcément. Bon, l'Ottoman va grossir. Hein. Mais l'Ottoman nous aime bien. On pourrait presque s'allier avec eux. Ah là là. Pourquoi pas, hein, franchement. Parce que je pense que... T'as qui en rivaux ottoman? T'as la Hongrie. Ouais, bon, la Hongrie, à mon avis. Hein. Mais ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas, mais bon. Limite navale, c'est bon. Morale, ça va. Viens d'accepter leur... Ah, mince. À qui donc pouvons-nous donner le partage de connaissances? Lord Teutonique, gêne, non, tu l'as déjà... J'aurais bien voulu avec l'Espagne, mais on n'a pas de diplomate envoyé. Maintenant, on en a un. Il subirait un déficit. Dame. Et Savoie, tu nous donnerais combien? 1,28 par mois. Allez, vendu. Fais un peu plus de thunes. Parce qu'on roule pas sur l'or, là, mine de rien. C'est un peu bizarre. Je ne saurais dire pourquoi. On a qui en rivaux, du coup? On a les teutons, on impose l'embargo à qui? Ouais, on n'impose pas l'embargo au Mamelouk. On va imposer l'embargo au Mamelouk. Imposer l'embargo, oui. Voilà. Et après on va même les insulter par principe. Ils sont en guerre contre Médine. Ouh, c'est pas bien. Bon, va de l'autre côté, en fait. Parce que l'algorithme, à mon avis, il va y avoir quelques petits problèmes de révolte. Hein. Ah, mince. Bon, toi, t'es allié à qui? T'es allié à la France, putain, merde. Il faut vraiment t'embarquer dans une... On pourrait déclarer la guerre. Ceci dit, si on déclare la guerre à toi, Ferrar, qu'est-ce qui se passe? La France viendrait, ouais. Parce que là, à tous les coups... Toi, t'es allié à la Bourgogne. Ouais, on va se... J'ai envie de choper Pise, moi, clairement. Personne viendrait en plus, allez, go. Allez, on prend Pise le plus prestement possible. Allez, 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 allez. Nos bateaux, ils sont où? Ils sont là. Ok, allez, volte-face. Voilà, c'est bon, on a pris Pise. Yes! Dans vos fesses. Par contre, on a peut-être un...
poil de... trois gars, on va se calmer. On va en mettre 4, alors on va mettre hop. Non, on va laisser un gus. On va virer la cave et on va mettre les canons. Voilà. Comme ça on a le bonus avec les canons. C'est fort bien. Toi Aragon, t'es en guerre contre qui? Contre la... Le Maroc est sale. Oui, bon vas-y, amuse-toi. Très bien. Par contre, si on peut aller piller cette région, parce qu'elle pourra pas être à nous du coup. Pise est une belle province, hein, je suppose. Ouais, une province à 19. Niveau expansion agressive. Ouais, ça va. Si on peut prendre un petit diplomate. Qui nous ferait... Ouais, mais on le paye pas cher, ce diplomate. Ouais, on le paye pas cher. Ok, bon, on va le laisser comme ça. C'est pas grave, on pille au moins. Ah, le Portugal nous a rivalisé. Diantre. On a pris le siège de Pise. Réception des bateaux ennemis. Ah c'est bien ça. Bon, ça c'est très bien, on va dégommer des bateaux du coup. Allez, dégage, 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 dégage. Merci, au revoir. Bien servi, retourne à Rome. Ça a rien de rester ici. Là on peut continuer de piller quand même. Puis toujours un peu de caillasse. Hein. Et concrètement, si je te bouffe, Florence. Pourquoi on peut pas? Bah je veux Pise, voilà. Pas de coalition. Ben voilà, il fallait juste demander. Vassal pontifical, c'est peut-être un peu ballsy quand même, non? Ouais, et puis juste pour regarder. Non, on aurait que Florence. D'accord, ok. Donc, potentiellement, on prend ça. Ta thune. La réparation de guerre, à mon avis, tu as pu exister, mais pourquoi pas. Les réparations de guerre, t'annules... Bon, on va choper du prestige ici et là. Voilà. T'as une mission traitée avec les Mamelouks. Ouais bah pour du prestige moisi, écoutez, hein. Bon, on va faire comme ça. Ouais, on va juste attendre de terminer de piller. Il reste quand même 2-8, c'est toujours appréciable. Voilà. Ah non, pardon, il reste... là il reste 2-8. Est-ce qu'on peut reconstruire de nouvelles choses? Non, pas encore. Pise en plus est un ouais carrefour naturel, donc très bien. Donc allez vas-y, tu peux rentrer. On passe plutôt par Florence. Voilà, là on est à faible, très bien, on peut choper un peu plus de caillasse, pourquoi pas. On peut... Bon, les réparations de guerre à mon avis ça va servir à pas grand chose parce qu'on les aura pas longtemps, donc tu vas annuler tes traités avec les Mamelouks, avec Milan. Voilà. T'annules ça, t'annules avec la Bohème, voilà. Comme ça, ça nous fait choper 7 de prestige, 19 d'expansion agressive, on tankera la chose. On va un peu plus grossir à ce niveau-là, c'est pas trop mal. Et puis, bah, gauche, je pense que c'est bon, hein. Plante cette pise, tous les traités avec l'Autriche, la Hongrie et les Mamelouks. Merci, au revoir, 180, on a les points, c'est parfait, merci, au revoir. Boum, on a chopé Pise, voilà. Donc on va légitimer Pise, hein, évidemment, ça a coûté un peu cher, mais bon. Corruption en hausse, je suis au courant. Retournons à Rome. On a trop de... Ouais, je sais bien. Est-ce que la construction est bientôt terminée? J'ai même pas... Non, il reste encore... Ouah, mon dieu, il reste encore 1 milliard de temps. La prod peut-être? Non. Commerce peut-être? Non, pas ouf. Eh ben, ça sera les impôts. Allez, vendu. Donc là, du coup, si on attaque Riga, qui est attaquable, hein, je suppose, parfaitement. Déclarer la guerre, Brême et Branque... Ouais, le... ouais c'est pas dingue. Alors j'aimerais bien le faire tout de suite, mais le problème, c'est que je peux pas passer à travers l'Autriche, je pense. Je pourrais passer à travers la... Ouais, ça fait quand même un bon... Bon, après, fatalement, il faudrait juste... Ah, il faudrait passer par la Pologne, machin. Oh là là, ça coûte très cher. Bon, on va voir, hein. On n'est pas pressé par le temps non plus. Là, notre limite terrestre a dû un peu augmenter quand même, non? On peut en faire un de plus, d'où Jésus, on va être riche. Voilà, passer la tech militairement, oui, hop, fort bien. Maintenant, il va falloir améliorer les bateaux, ça va coûter un peu plus cher, je suppose, ça va coûter combien? 160, bon, ça va encore.
Et là, on est quand même dans le bel état de Toscane, donc c'est toujours bien. Ferrare, ça m'ennuie qu'il soit allié à la France quand même. Ça m'ennuie grandement même. Et on a toujours trop de relations diplo, je sais. En inflation, on en est à combien? On en est à 8, mais pour 50 points de mine, je fais ça. Est-ce que l'éclair pourrait nous filer un coup de patte? Non, c'est pas acceptable. Par contre, on pourrait faire... Non, on pourrait pas. Bon, on va rien faire. Ici, ça fait des vaches. J'aimerais bien mettre les bourges, les nobles, parce que ça augmente quand même... Non, ça nous fait rien du tout, en fait. Autant pour moi. J'ai cru. Je pensais que ça augmentait les... La défense locale, les nobles. Ok, bon bah autant pour moi. On peut... Non, on peut toujours pas en 20... Ceci dit, maintenant, avec... je pense qu'avec... Bon, ici, je pense que c'est même pas la peine, hein. C'est... Ah, ça pourrait passer... Non, ça avance de moins 3, mais avec les 10, ça pourrait passer à 1. Est-ce qu'on pourrait changer... Et on a quoi comme Gus actuellement? On a moins 2. On pourrait choper lui, mais il est à 5, t'as un poil cher, mon lapin. Bon, on va pas le mettre pour le moment. Ça, on va dégommer, voilà. Bon, l'Istrive sera bientôt à nous. C'est une nouvelle assez enrichissante, à savoir... Ah, des séparatistes florentins, je suppose. Oui, bah merci de te prendre... Bon, je pense pas. On va entraîner notre armée, quand même. On va en profiter un peu. Au niveau de la marine, on n'a pas augmenté un peu? Ah, c'est bien. C'est très très bien. Eh ben, on va faire une barque pour débarquer à 10 par 10. On en est où, là? Ouais, c'est pas mal. On a pas mal de devs, hein, mine de rien. On pourra bientôt entrer dans les grandes de ce monde. Une petite seconde. Dépendance loyale, on se souviendra longtemps de notre époque. Coup d'annexion diplomatique, on veut répute, ça serait pas mal. Ou alors 60... Non, 60 points, clairement. Mais allez, on reprend où on en était. Donc ouais, passer peut-être par Riga. Bon, on veut je veux juste attendre que les que ça se calme un peu. Pise, sympa le drapeau de Pise. Bon, une fois qu'on aura plus l'agitation, je pense que ça va nous aider quand même. Bon, la Goris, de toute façon, ça pètera quoi qu'il advienne. Les clairs ont baissé, donc est-ce qu'on peut réaugmenter les clairs? Non, on va les laisser comme ça, c'est très bien. On va les laisser. On a toujours trop de relations diplomatiques, je sais, mais on va bientôt prendre... J'aimerais bien prendre ça pour être tranquille, une bonne fois pour toutes. Bon, Tunis a rasé, ok, fais ton gamin, Tunis, c'est ton problème, si t'en as envie. Voilà, église construite. Alors. Un de stab, hein, quand même. Ça, ça augmente ou pas? Mais un de stab. Bon là maintenant on va se calmer, hein. Mais là comme ça on a deux de stab. C'est quand même assez appréciable. Bon, Tunis encore une fois si tu veux. Est-ce que nos dépendants sont des dettes? Je pense, hein. Teuton, t'as pas de dette, c'est bien. T'as pas de dette. Et t'as pas de dette, ok. Bon, c'est très bien, ça, ça va. Une fois que ça sera accepté, on va mettre... bah, ici... Alors, par contre, liste...
L'Istrie c'est un havre, mais ici, ouais, les marchands ce serait pas mal ici quand même. Bah déjà les marchands à Pise, c'est indéniable. Ah voilà, le Frioul fait partie de nous. Le Frioul, qu'est-ce que je dis moi? Bon voilà, Pise, ça fait partie de nous. Donc on va mettre bien sûr les bourgeois. Voilà. En plus, c'est une province vraiment à donner aux bourgeois. Voilà, c'est très bien. Ça va nous donner plus de... de maintenance dans cette zone. On va voir. On a 17%. C'est vraiment pas mal du tout. On va revoir à combien on peut monter. Ouais, bah, c'est toujours ça. Hein. Donc, c'est très bien. La Goris, bon la Goris, je sais pas qui on va mettre, si on met un ordre déjà, mais je pense pas. Après on pourrait augmenter, hein, honnêtement, pour être tranquille. Parce que là on en est un peu trop élevé. Conta Vénessin, Chypre et Arenzo. Alors, Arenzo, t'as combien? T'es à moins 4, ouais bon, bah, on va gagner 10 d'autonomie, c'est pas grave. Ouais, j'aimerais bien augmenter l'autonomie pour être tranquille, parce que là on peut se le permettre en fait. Allez, on va augmenter l'autonomie. Pour être tranquille. Voilà, et comme ça, ça fait baisser aussi. Comme ça, ça nous permet de récupérer un peu nos réserves militaires. Réduction d'impôts et Pise. Pise, ça va, Pise. Surexpansion, ça va descendre. Séparatisme, ça n'aide pas. Mais on est tolérant, donc ça devrait aller. Bon, tu... hein ? Voilà. Voilà. Est-ce qu'on en fait un état ? Ouais, je pense quand même. Ah, attendez, pause. Non, on va attendre. Mais ça, est-ce qu'on peut en faire un état? Bah, c'est un état qui nous rapporterait... Ouais, allez, on va le faire. Ouais. Ah, très bien, on a rempli une mission qui est... qu'on maintient des états, coup de répression. Ouais, bon, allez, on va le faire, ça nous fait avancer. Réunir une armée, il faudrait qu'on ait notre limite... Non, 80 000. Et ça nous donne... Ok. Mais par contre, on va soigner nos... On va améliorer nos... Ah, viens. On peut ou pas sans... Oui, on va le faire. Rome, direction. Voilà, améliore-toi. Et on va dire, tu protèges le commerce à bah, Venise toujours. Et tu te trompes pas en cas de guerre. Voilà, parfait, merci beaucoup. Donc là, on va attendre, clairement. Bon, ici, ça fera toujours la tronche, hein, je pense. Hein. Territoire illégal, je pense. Territoire illégal jusqu'en 23, ouais. Après, on pourrait mettre l'éclair pour qu'on soit tranquille. Alors. Constitution... Non, on va gagner 5 en prestige. C'est toujours bien. On va mettre l'éclair pour calmer le jeu. Voilà, comme ça, ils sont à 2. C'est très bien. 2, du coup, ça fait baisser un peu. Comme ça, c'est dans 17 ans. Voilà, ça aura le temps de se terminer, je pense. Pise. Bon, je pense que ça ira quand même. Est-ce que du coup, on peut imaginer un débarquement et passer par l'Autriche? Passer par l'Autriche, ensuite passer par la Bohème, après ensuite passer par ici, et après là pour déclarer la guerre. Et c'est trop tard, merci beaucoup. Danemark, t'es allié à qui? T'es allié à la Hollande, à la Poméranie, ça fait quand même un bon gros stack. Et je suppose que... Ah, t'as 100% d'aspiration à la liberté. Ah. Et t'es en guerre. Contre Riga, ouais bah on va voir ce que ça a donné. Quand t'auras ta guerre d'indépendance, on va regarder. Gênes, t'es allié à la France, je suppose, de mémoire. Non, t'es allié à la France. Après, t'as une ligue commerciale, je suppose, Gênes. Non, ça c'est la Savoie.
dans la ligue commerciale de Theodoros, de Brême et de Verden. Ouais, on n'y est pas. Bah, on a toujours Venise, hein. Venise qui est alliée à... Ah, Pologne, oh, intéressant cette affaire. La Castille viendrait... Ouais, mais je préfère faire venir la France. Ouais, mais après, ça ferait deux grosses puissances, je suppose, parce que Pologne doit être une grande puissance. Pologne, grande puissance. Castille, grande puissance, ouais. Ouais, après, il faudrait qu'ils passent par là. Ouais. Ah, ils se sont alliés. Ah, les bougres. Et toi, t'es allié à qui, Hongrie? À Aix-la-Chapelle. Ah, c'est une bonne nouvelle. Autrement, on pourrait retaper sur du même look, encore une fois. C'est peut-être un peu gros quand même. Hein. Bon, après, les Mamelouks ont des problèmes de séparatistes. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ça, c'est du Syrien. Ouais. Ah, c'est... Bon, après, il y a du Mamelouk qui se... Il y a de l'Ottoman qui se balade ici. On peut construire quelque chose, je pense que... Commerce, peut-être quelque... Non, même pas. Armée, ouais, même pas. Gouvernement, moins ouais, bof. Bah, prod, allez. Hongrie. Ah, j'aurais bien voulu attaquer Ferrare, franchement. Ferrare, c'est un bon steak. Ouh, ça, ça casserait leur alliance. Ouf, ça serait violent, ça, comme guerre. Hein. France-Castille. Avec l'Aragon et Naples. La France se prendrait très cher. Mais à voir, je pense, 30 000 hommes, ils ont 35, et eux, ils en ont 40... Ouais, ils ont 10 cas de plus. Bon, après, ils ont l'Aragon, mais à mon avis, l'Aragon, c'est pas ça, quoi. On peut refaire... Non, c'est bon, on est bon, là, parfait. Ah, le partage de connaissances est terminé. Alors, avec qui on pourrait donner... Notre partage de connaissances. Toi, tu l'as déjà. L'Ottoman ? Ah, bah, 7 par mois, on se gaverait tellement de... Hein. Maroc. Augsbourg. Bosnie, ouais. J'ai pas envie de le donner aux Ottomans, ça. J'ai vraiment pas envie. Mecklembourg. Mecklembourg, normalement c'est... Augsbourg. Augsbourg ça coûte... Ouais, pour 0.29 franchement. Hein. Pise a ouais, Venise a bouffé... La Pologne, je suis pas trop fan quand même. Hein. Bon après la Pologne, il y a des dettes, ils ont une lassitude de guerre, ils sont en guerre la Pologne. Ouais, les Danois ont bouffé Riga. Pologne est allié juste à Venise et ils garantissent la Moldavie. Et je pense que les Ottomans doivent avoir des revendications. Non, même pas de revendications à voir. Jérusalem conquise. On pourrait convertir Jérusalem quand même. On pourrait essayer de convertir Jérusalem ou même Chypre. Mais il nous faudrait un Gus qui coûte deux fois moins cher. Ouais, mais leur demander c'est cher quand même. L'inquisiteur. Parce que là, il nous coûte pas cher lui, c'est l'avantage. Bon, après on gagne pas mal d'argent. On pourrait quand même prendre lui à 5 par mois. On sera à 9, 3, ouais, peut-être. France, calme-toi par pitié, mais calme-toi. Tu es très énervé en ce moment. Ouah, ça devrait aller quand même. Hein. Ça devrait relativement aller bien. Milan, t'es allié à qui? À Mantoue. Pour choper Vérone. Oui, on va accepter hein, de toute façon. On peut squatter par là? Ouais, bah allez, on va aller piller les Suisses. Alors, carrière dans l'armée. Ouais, clairement, 15 de tradition terrestre.
Est-ce que... Je vais essayer de convertir ça, parce que là maintenant ça pourrait être du... De... Pourquoi c'est passé au noble ça? 17 par mois, ça fait cher quand même encore. Hein. Je trouve que ça fait... ça c'est cher. Allez. On va aller voir les Suisses. On va essayer de leur piller la figure. Bon, le problème des Suisses, c'est qu'on va perdre la moitié de nos troupes, en fait. Ceci étant dit, maintenant, on peut se balader jusqu'à... Ouais. Riga est conquise. Hein. Putain. Danemark nous a rivalisé, mais après... On pourrait prendre le Gotland... Bah, pas le Gotland, mais... Ouais. On pourrait prendre pas mal de choses. La Suède, je sais même pas si elle viendrait. Elle a... Soutien à l'indépendance de la part de l'Angleterre, ouais. Faudrait peut-être voir, une fois que la Suède ne soit plus en alliance avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah on va se battre contre des Suisses, là. Bah merci. Ah, on peut passer. Oui, on va faire ça, clairement. Alors, moi, je change en pleine guerre, je n'ai pas peur. On va prendre feu, moral. Plutôt faire le choc, on s'en fout un peu. Ouais, hop, et on va prendre des reîtres, voilà. Oui, je change en pleine guerre, je n'ai pas peur. Allez, rentre à la maison. Venise est encore en guerre. La Hongrie va vraiment se faire absorber la figure. On va faire une revendication en Hongrie, chez Venise. On va attendre de revenir. Voilà. Elle rentre à la maison. Bon, c'est bien, les teutons se baladent. Bah écoutez, c'est fort bien cette affaire. Moins un des réformes catholiques, hors de question. Brûlons ces copies. Non, on peut pas choisir. Voilà, c'est la question se poser, c'est... On ne peut pas. La papauté ne peut pas se convertir à une autre religion. Donc il n'y a plus de sujet, hein, on est d'accord. Bon, allez, rentre à la maison. Est-ce qu'on limite terrestre augmentée? Non, toujours pas. Maintenant, ceci dit... Ferrare. Ouais, on est dans le même camp. On est dans le même camp. Moi, c'est vraiment Venise, en fait, qui m'intéresserait. On revient de Ferrare. Faudrait que la Pologne ne vienne pas. Ceci dit, c'est à deux doigts. Hein. C'est vraiment à deux doigts. Parce que la Pologne est en guerre contre la Hongrie et Aix-la-Chapelle. À mon avis, la guerre va rapidement se terminer, quoi. Nous avons un nouveau pape, tant mieux pour nous. Longévité des navires, bon bah tant mieux. Des révoltes ou pas? Séparatistes autrichiens, bon ça va baisser de toute façon. Acceptation croissante des pots de vin, ça m'embête toujours un peu. Pourquoi on a province de métropole occupée? Ah, les enfoirés, je les avais pas vu venir. Oh, bah si, elle est... Voilà, parfait, l'ordre de Livonie. Fin des conflits religieux. Moi, je garde toujours... Allez. Venise, t'as combien de bateaux? Déjà moral, on est au-dessus de toi, ça c'est déjà assez apprécié. Bon, t'as pas ta maintenance navale. Et en termes d'armée, on en a plus que toi. Et en termes de bateau, c'est à peu près équivalent. Bon, ils ont un lourd. Bon, après, on pourrait vraiment donner... Falsification de documents. Bon, on va gagner 5 en dévotion, on en a besoin là.
Est-ce qu'on pourrait demander de l'aide à nos... 100 points et perdrait 20, ouais, c'est pas trop acceptable quand même. J'attends vraiment... Moi, c'est vraiment venu... Ah, la guerre est terminée et puis maintenant c'est mort. Après, on peut faire venir clairement... Bon, la France, t'as des dettes, lassitude de guerre, la Pologne, ouais, dommage. T'as bouffé des choses, hein, quand même, hein. C'est bien, hein. C'est bien. Bon, on peut prendre une tech, oui. On en a besoin. Oh, mon Dieu, on est tellement en retard. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode. Regarde si tout est bon, bon. Bon, là, la guerre est en train de se terminer. On n'aide pas beaucoup, hein, je pense. Hein. Voire même pas du tout. On aide à 6%. Bon, écoutez. Hein. Bon, contre les Anglais, franchement, l'armada espagnole ne fait pas le poids. On le voit très bien, ici. Surtout qu'ils ont le mur de chêne. Non, attendez, ça, c'est ça, hein. En fait, tu vas nulle part, Suisse. Voilà, casse-toi. Tu laisses la Goris. Tranquille, merci beaucoup. Diplomatiquement, on est en retard, encore une fois. En plus, il faudra qu'on refasse nos galères, donc on a intérêt à économiser un max. La Savoie va être pas mal, hein. Bon. On va bien voir ce que ça va donner. De toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Modulo, je veux l'Istrie. L'Istrie ou le Frioul? To be or not to be. Allez, va pour ça. Voilà. Et bah ouais, j'aimerais bien déclarer la guerre, mais la Pologne, ouais. Bon après, une fois que... Si la France vient, franchement, ça me fait pas peur. Pas plus que ça. Attendez. Ah si, ils ont bouffé Riga, quoi. Bon, la Suède viendrait, mais la Suède, à mon avis... À mon humble avis, ne sera pas pour tout de suite. Bon, on verra ça au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à plus les gens.